Aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour Franck. Bonjour mon cher Hervé. Qui n'a pas rêvé un jour de venir assister à un match de foot au Camp Nou ? C'est un stade qui fait rêver en effet et qui a la particularité d'abriter l'une des plus grandes pelouses d'Europe puisqu'elle mesure 105 mètres de long. C'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Et là, une solution avec cet appel de balle. Les 30 derniers mètres. Dani Alves. Avec son gardien. Dani Alves. Oh, c'est le pressing à tout va maintenant. Ah, l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans la construction. Ah, il s'était un petit peu enfermé sur les côtés, il a perdu le ballon. Andrés Iniesta. Xavi. Avec Messi. C'est bien contrôlé ça. La défense vigilante sur ce coup. Le FC Barcelone qui est bien évidemment l'un des plus grands clubs du monde, Franck, c'est une évidence. Bien sûr Hervé, que c'est un grand club. Toute la Catalogne est derrière cette équipe et quels formidables ambassadeurs pour la région catalane que toutes ces stars internationales. Bien défendu, attention, c'est pas terminé. Il tente une reprise de volée. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Attention, ne pas commettre de faute. Le centre maintenant. Le centre pour. Un ballon rendu à l'adversaire finalement. Xavi. Et il le prend vite. Oh oui, la bonne position, il va marquer. Voilà, jolie frappe. But pour le FC Barcelone. Cette ouverture du score, ça fait 1-0. La bonne intégration sur cette interception de Messi. Oui, je l'ai 1-2. Ça passe très loin du cadre. Suarez. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon ? Del Moral. Vidac.
s'ils ne viennent pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Et le centre, Léo Messi, il y est. Le gardien qui s'incline, et il a su s'en disponible sur ce centre. Après, il fait la différence de la tête. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Ouais, de but arrivant, il domine les débats. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Il a bien sauté hein, pour éviter le tacle. Et ballon bien capté par le gardien. Busquets. Ça peut être dangereux ce centre. Oh, c'est bien centré, attention. Messi. Un petit mot sur le Barça, Franck. Un joueur qui se dépense et souvent sans compter sur le front de l'attaque. Manu Del Moral. Attention à cette perte de balle au milieu. Oh, c'est parti! Oh, la belle patte sur cette frappe! Antoine Busquets. Bien impliqué. Ah, ça passe qu'il sort en touche finalement. Un coup franc pour l'FC Barcelone. Dani Alves. Dani Alves. Et comme à son habitude, je crois qu'il va être dans tous les duels. Ah, il espérait passer sur le côté, mais il s'est fait prendre. Et trouve Neymar. Oh, le contre terrible! Ah, il met toute sa puissance dans la frappe. Énorme puissance de frappe, en effet, avec en plus de la précision pour venir battre le gardien. Ben, je suis sûr que ça vous parle, hein, ces frappes de loin comme ça, Franck. C'est le genre d'action que vous aimez bien. Ça, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Oh, le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3 buts à 0. Jordi Alba. Neymar. En bonne position, il va pouvoir centrer. Un ballon bien capté, il ne fallait pas le relâcher. Bonne récupération au milieu de terrain. Antoine Busquets. Peut-être le but. Un tir complètement raté. Manu Del Moral. Bonjour.
2 minutes hein, de temps additionnel. Neymar. Et bien joué la défense. Gérard Piqué. Le Suarez. Neymar. Oh non, l'action qui n'est pas terminée, attention. Et l'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette première période. Déjà 3-0 au compteur. On attend une réaction d'Angers, peut-être en seconde période. La première période qui confirme ce que l'on pensait, Franck. Et il y a vraiment un gros écart entre ces deux équipes et la logique est respectée pour l'instant. Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. L'action est stoppée. Ah, ça, c'est bon comme intervention, c'est propre, efficace. Est-ce que cette faute vaut un avertissement ? Il le joue rapidement. Attention, 2 pour le FC Barcelone. Et c'est tout simplement son deuxième but personnel aujourd'hui. Mais regardez là, le formidable coup de rein de Messi sur cette action là. Il y a les défenseurs sont totalement impuissants. Ah, ils ont peut-être tué le match, là le score qui est maintenant de 4-0. Manu Del Moral. Didac. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est vraiment du petit lait là pour les défenseurs. Andrés Iniesta, Manu Del Moral. Ouais, je le dis. Allez, le but, histoire de réduire un petit peu cet écart énorme. Ah, il fallait bien que ça s'arrête, hein. Le gardien de but qui doit s'incliner enfin. Oui, il s'incline pour la première fois en effet, mais n'oublions pas hein, qu'il a déjà sauvé le meuble à plusieurs reprises. Ah écoutez, hein, ce centre de cette qualité, hein, et, il ne pouvait qu'être transformé en but, c'est obligatoire. Et vous le voyez au tableau d'affichage, ça fait 4-1. Manu Del Moral. Alors, un chouïa trop tôt, et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Xavi. Gérard Piqué. Un ballon pour Piqué. Xavi. Franck, honnêtement, l'homme du match, c'est lui, non ? Ah, ça ne m'étonnerait pas. Et en effet, Hervé, il possède toutes les qualités qui font un excellent milieu terrain. Oh, ça va rentrer ! Et c'est récupéré par le gardien. Un corner donc. Léo Messi, un seul joueur. Encore un corner, ça peut durer longtemps comme ça. Et encore un bon ballon. Del Moral. Une bonne abnégation sur cette interception. Andrés Iniesta. Ouais, bien taclé, mais c'est pas fini.
duel. Neymar. Oh, il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Jordi Alba. Sergio Busquets. Monopolise le ballon magnifiquement. Ah, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Didac. Donc oh, le beau tir, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, bonne anticipation sur ce centre. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Manu Del Moral. Ouais, c'était un petit peu enfermé sur les côtés. Il a perdu le ballon. Avec ce centre et c'était droit sur le gardien. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Non, ce sera pas ce coup-ci là qu'il se fera déborder. Avec son gardien Xavi. Ouais, excellente interception, bien joué. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Jordi Alba. Oh, il y va au mastic, hein, lui, hein, ce joueur. Il est inusable. Là. Il est partout, de la première à la dernière minute. Xavi. Lionel Messi. Et la voilà, la frappe. On va frapper le corner. Alors que vous découvrez une statistique sur les tirs. Ah, c'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Personnel aujourd'hui. A décidé l'entraîneur qui va faire des changements. Et le score qui est maintenant de 4 buts à 2. Décidément, on a des buts. Bon, c'est sûr que c'est toujours bien de marquer, mais je crois que personne n'est dupe, hein, quand on regarde la rencontre sur l'importance de ce but. Ben, c'est vrai que l'essentiel a déjà été fait. Hein. J'estime que ce but vient après un petit relâchement qui n'est peut-être que légitime vu l'ampleur du score. Oh, elle est dangereuse cette frappe. C'est pas là qui est contré. Manu Del Moral. Manu Del Moral. Ah, ça je vous dis l'arbitre. Ah, c'est la règle de l'avantage.
elles sont à la lutte. La frappe. Et ça va au fond. Voilà, un but qui relance l'intérêt de cette fin de match. Ah oui, on pensait que tout était plié, mais non. Allez, il y a un but à combler. Oui, Hervé, c'est un but qui arrive un peu tard, malheureusement, et ça ne changera pas l'issue du match. Et le score qui est désormais de 4 buts à 3. Jordi Alba. Il va falloir recommencer, c'est perdu. Manu Del Moral. 4 buts à 3, ce sera le score final. On aura vu des buts. Et l'entraîneur avait insisté sur l'importance de cette première rencontre de la saison. Il doit être satisfait. Oui, disons que la victoire semble acquise hein, maintenant. Alors bien sûr, il y a eu quelques imperfections hein, que l'entraîneur justement n'aura pas manqué de remarquer. Mais son équipe s'installe déjà dans une spirale positive et ça, c'est bien. Merci à vous et bonne fin de journée. You